Bonjour, aujourd'hui Itinéraire Bis vous emmène à Champsac, un petit village de 692 habitants et on est au sud-ouest de la Haute-Vienne. Bonjour messieurs, on va visiter quoi du coup ? Je vais vous montrer une salle associative. Mais c'était quoi avant ? C'était ce bâtiment, c'est un bâtiment communal dit La Poste. Ah, c'était La Poste ? Tout ce qui est porte, fenêtre, volet, c'est la mairie. D'accord. Et tout ce qui est intérieur, c'est les chasseurs qui ont rénové. Bah, vous nous faites visiter ? On vous fait visiter. Vous faites quoi ? Il n'y a que les chasseurs ou... Les chasseurs. Mais si des fois, il y a des salles qui sont prises pour faire des réunions, on peut laisser cette pièce à d'autres associations. Ah, vous la prêtez quand même un peu ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez de la place dans votre carrosse ? Oui, montez avec moi. Hop, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, j'ai deux petits chiens et puis j'ai une petite trompette. Ah ouais. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû. Il est gros. Il est gros, il est grand et il est vieux. C'est un hêtre qui a environ 350 ans. Il était connu ce gros pépère ou c'est en faisant les... C'est en nettoyant cette forêt qu'on a découvert ce gros hêtre. L'avantage de ce site, c'est que on pouvait trouver des jeunes familles en poussette, comme des personnes d'un certain âge qui ne venaient plus trop d'activité et qui sont sur un lieu sécurisé et qui leur permet de ne pas trouver de véhicule ou autre, d'engin motorisé, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça fait quelle distance? On va où là? Là, on se dirigerait vers Chalut, donc on serait à 5 km de Chalut. D'accord. Donc la voie dans son... c'est 13 km exactement. De tous les insectes, les oiseaux. Ça, c'est l'heure de manger. Oh my God! Ah, how do you do? Très bien, merci. Et alors ici, vous faites quoi? Vous faites bar, restaurant? J'ai un bar, restaurant. Vous nous faites visiter un peu? Et on mange quoi ce midi alors? À midi aujourd'hui? Ouais. Rôti de porc. Rôti de porc avec pommes de terre et légumes de la saison. Eh bien, elles sont où vos sculptures ? Eh bien, ouais, c'est le problème. Tout le monde me pose cette question. Ben oui. Le peu que je fais, c'est fait sur commande, et c'est vendu, et c'est livré, et je ne l'ai pas. Je vous demande de vous poser dessus. D'accord. Et sentir l'énergie. Il faut laisser aller. Hein. Mmh. J'ai fait ça à Madame la Préfète, elle me trouvait très bien. Mmh. C'est vrai que c'est confortable. Et ça, ça vient d'où alors ? C'est quoi comme animal, ça ? Ornithorynque. Platypus. Comment vous dites ? Ornithorynque. Oui, mais vous avez dit ? Platypus. Platypus. Mm-hmm. Et le platypus, c'est d'où ? Eh bien, c'est d'Australie, ça. D'Australie ? Oui, oui, oui. Et donc moi, vous moi aussi. Avec. Et oui. Vous aussi ? Oui. Et pourquoi je suis ici ? Parce que j'ai épousé une Française. Même j'ai épousé deux Françaises, mais pas en même temps. Ah bon, d'accord. Non. Mm-hmm. Vous m'avez fait peur. Donne-moi ta main. Des cas parc parce qu'on peut faire 10 jeux. C'est quoi les 10 jeux? Dites-moi. Le basket, la cible. Là, il y a rugby, encore des cibles. Je crois que j'ai tiré à côté. Voilà, c'est ici au Décaparc de Champsac que se termine notre itinéraire bis. À bientôt.